Et salut, donc là c'est une nouvelle vidéo pour vous donner un peu des nouvelles de mes soucis avec la Q-Force. Donc j'ai démonté la roue. Alors après quelques échanges avec le support de Sim Experience, ils m'ont proposé d'abord de me renvoyer un quick release. Première étape. Et deuxième étape, que je leur retourne la roue. Parce que mes deux soucis c'était le jeu, comme vous avez vu sur la vidéo précédente, le jeu que j'avais sur l'axe principal, et en plus la qualité de la roue. Alors je sais pas si on va bien voir, si le focus va se faire, au pire je mettrai une photo, mais la roue se dégrade à une vitesse hallucinante. Là, je pense qu'on le voit peut-être bien. Bref, si je peux, je mettrai également des photos. Donc le but c'était de ne pas laisser passer ça, c'est pas normal. En plus, j'utilise des gants depuis le début, donc c'est pas logique. Donc, ce qu'ils m'ont proposé, c'est que je leur retourne la roue, qu'ils font une expertise, parce qu'ils ont jamais vu ça, entre guillemets, et qu'ils me la retournent, ou me l'échangent. Mais bon, moi, il était hors de question, je vais pas rester sans roue pendant plus de 15 jours. Donc, ce qu'ils m'ont proposé, c'est de me remplacer déjà le quick release. Donc voilà, hop. Voilà le nouveau quick release, en espérant que la qualité soit au top cette fois-ci, on verra bien. Et ils m'ont également proposé une autre roue. Voilà, chose que j'ai acceptée. Donc on va voir, on va regarder tout ça. Va commencer par démonter la roue. Hop. Donc je mettrai peut-être en accéléré les étapes pour ne pas vous embêter avec ça. Hop, voilà. Allez, on va essayer de faire ça proprement. C'est parti. Voilà, surtout à faire attention en démontant parce qu'il y a des entretoises. Ça, je me suis fait avoir la première fois. Donc là, les trois ici, les plus longues, c'est pour la roue. Ne pas tirer trop fort parce qu'il y a également le connecteur. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, ici, c'est un bouton central. Hop. Voilà. Donc je vais garder le carton parce que à aujourd'hui je sais toujours pas si je dois leur retourner l'ancien. Je pense que oui. Donc ils m'ont montré forcément des photos. Ah oui, en fait il y a même le bouton central directement. Ah oui, c'est le kit complet qu'ils m'ont envoyé. C'est sympa ça. Donc là c'est en cuir ou semi-cuir. Là c'est de la peau retournée ou Alcantara, je ne sais pas trop. Je suis pas un spécialiste. Là c'est du cuir. Donc, tout de suite j'ai adhéré. Alors, ce qui va changer, c'est peut-être la tenue, mais là on place bien. Non, non, puis je la trouve belle, donc j'ai dit oui tout de suite. D'accord, l'arrière, est-ce que c'est le même? Je pense que oui, donc peut-être pas de raison de remettre ça. On verra bien. Donc, ça, on va mettre ça de côté. Voilà, maintenant on va s'occuper du quick release. Alors justement pour ceux qui hésitent à acheter la Q-Force, parce qu'on va pas se le cacher, le prix est quand même attrayant, enfin attrayant, en tout cas plus abordable que sur les autres. Donc la question du SAV, oui, c'est vrai, il faut converser en anglais. Bon, maintenant avec Google Traduction, on peut se débrouiller. Je pense que
les gens qui lisent doivent rigoler à certains moments, mais au moins c'est pratique. Donc là, j'ai conversé avec eux, ça a été rapide. Franchement, j'ai rien eu à dire. En fait, je les avais contactés une première fois et l'échange, c'est pas bien fait. C'est-à-dire que je sais pas, par leur mail, par leur contact, j'ai pas eu de retour. Voilà, click release. Hop. On va prendre le nouveau. Alors, je sais plus sur quel forum. Il y a également un Français qui est embêté. Avec son quick release et qui a le même souci que moi. Alors moi là où j'ai peur, c'est que à la base dans mon package de base j'avais déjà acheté deux quick release. Je me suis dit pour éviter de repayer les frais de port, je vais en acheter un deuxième comme ça si je prends un volant DTM Formule 1 ou autre, je vais avoir l'occasion de pouvoir le mettre. Mais j'ai perdu le fil. Oui, donc je l'ai changé. Forcément, j'ai essayé avec le deuxième. Celui sur lequel vous avez vu tout à l'heure la vidéo. Il y a moins de jeu. Mais c'est pas encore ça. Donc maintenant, j'ose espérer qu'ils ont essayé le quick release quand même. Ça me paraîtrait un minimum. Est-ce que j'ai du jeu? Là, comme ça, non, mais bon. J'en avais pas non plus avant, donc à savoir. Alors l'idéal c'est de le laisser comme ça pour pouvoir le remonter plus facilement. Je me suis fait avoir une fois. Pas deux. Voilà, donc maintenant je vais couper ça, je vais monter le support ici du quick release sur la base du volant et je vous montre s'il y a du jeu, on revient. À tout de suite. Et voilà, me voilà de retour. Donc j'ai changé le support du quick release sur la base et moment de vérité. Hop. Faut juste se mettre en face, je pense que j'y suis. Oui, allez, c'est parti. Comme ça, pas de jeu. Et là, pas de jeu, ça bouge pas. Ce qu'on va bouger, c'est juste le support complet. Je peux vous dire qu'en ayant eu l'autre, c'est la différence. Zéro jeu. Voilà. Bon, bah c'est parfait. Alors, c'est vrai, parce que là, c'est une petite vidéo au retour d'expérience du SAV Sim Experience. C'est vrai, ça n'aurait pas dû arriver. Je suppose que vu qu'il y a un autre Français que j'ai vu sur le forum qui a eu également un problème en même temps, peut-être que c'est un problème de lot, puisque enfin, le mien avait un problème, le deuxième que j'avais acheté avait un problème également, problème d'usinage, enfin bref, problème de ligne. En tout cas, le SAV m'a répondu ouais, assez rapidement. J'ai pas été bloqué puisque j'ai quand même pu tourner avec, et en plus, ils m'ont proposé une nouvelle roue plus un quick release gratuit, vous allez me dire c'est normal. Donc je trouve ça très réactif. Ils m'ont envoyé ça jeudi, attendez, jeudi, mercredi soir, j'ai reçu aujourd'hui, donc par UPS, rapide. Et non, franchement, je suis pas déçu. Donc si vous avez des doutes à ce sujet-là, très honnêtement, là en tout cas en ce qui me concerne, vraiment vraiment content. Et puis je vais vous montrer, hop, la roue à quoi elle ressemble. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc franchement, très content du SAV.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'hésiterai pas à répondre par rapport à mon expérience. Et puis en termes de ressenti au niveau du jeu, c'est vrai que comment dirais-je, c'est mieux parce que j'utilise maintenant le soft Sim Experience, Sim Commander, pardon, je me trompe. Et c'est vrai que c'est mieux, plus de ressenti, c'est plus fin, on arrive à voir plus de choses. Maintenant, je suis habitué au volant, il n'y a pas de souci. Encore une fois, et dernière chose, à savoir, je ne change pas d'avis quant au tarif. Désolé, c'est toujours mon avis. Maintenant, c'est vrai que ça affine les choses et c'est mieux. Donc, j'étais pas déçu de mon achat et je suis encore moins maintenant, surtout maintenant que j'ai entre guillemets, j'ai testé pour vous le SAV de Sim Experience. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien, c'est rapide. Voilà. Alors, par contre, juste un petit détail, j'ai oublié de le préciser. Je pense que ça n'a pas d'importance, mais comme ils m'avaient demandé que je leur retourne ma roue pour expertise et que moi, du coup, pendant ce temps-là, j'allais être bloqué, ils ne voulaient pas changer d'avis. Je leur ai juste dit que j'allais en parler dans une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Bon, ils savent pas que c'est une toute petite chaîne et qu'il n'y a pas beaucoup d'audience. Mais en tout cas, ils ont changé d'avis et m'ont proposé cette nouvelle roue sans que j'aie rien d'autre à leur demander. Donc bon, je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet. En tout cas, ça leur a fait changer d'avis et ça m'a permis d'être dépanné au plus vite. Donc si c'est ça, tant mieux. Sinon, je ne sais pas comment ça se serait passé. Bref, mon problème est résolu. J'en suis très content. Maintenant, je verrai la suite en ce qui concerne mon quick release, enfin mes deux quick release qui sont en panne. Je vais leur envoyer un mail et puis, bon, à la rigueur, je vous donnerai la suite. Voilà. Salut à tous, bonne journée. Bye.